Je te parle, Jean-Pierre. T'as pas vu le sens interdit? Qu'est-ce que tu veux? Rien, je veux juste te voir. Tu fais quoi, là? Ça te regarde pas. Allez, tu peux bien me dire. J'écris, voilà, t'es content? Un poème? Ah ben, c'est bien, ça. Pour ta copine, la petite Laurie? Elle est pas petite. D'abord, je te signale qu'elle a un mec, alors, hein, doucement, quoi. Ah ben, tant mieux pour elle. Et tes dossiers? T'as travaillé tes dossiers? J'ai pas envie. Comment ça, t'as pas envie? J'ai pas envie. Les dossiers, c'est chiant, et en plus, ça sert à rien, alors. Attention, Jean-Pierre, je te préviens, si tu me ramènes des mauvais chiffres de chômage ce mois-ci, t'iras pas voir Laurie en concert. Eh, c'est ça, et ben essaye. Si tu m'empêches d'y aller, je m'en fous, je me casse cette parade pourrie, et tu seras bien embêté, voilà. Mais, enfin, qu'est-ce que t'as? Mais c'est pas possible, ça, on peut plus rien te dire. Y'en a que pour cette Laurie. Ouais, exactement. Parce qu'elle, au moins, elle est belle, et puis elle est jeune, et puis elle chante bien. Toi, t'es vieux, t'es moche, t'es nul. Aïe! Bah, excuse-moi, je voulais pas. Bah, allez, c'est rien, là. Allez, pense à la positive attitude. Laisse-moi. Oh putain, faut vraiment que j'aie personne à mettre à sa place pour supporter ça.